Bienvenue sur Cameroun Info, votre source d'information de confiance pour rester connecté avec le monde qui vous entoure. Dans un paysage médiatique en constante évolution, nous nous engageons à vous fournir des nouvelles équilibrées, crédibles et pertinentes. Notre mission est claire, vous tenir informé, vous inspirer et susciter votre réflexion. Aujourd'hui, nous vous proposons une édition spéciale qui vous plongera au cœur des enjeux les plus brûlants de notre société. Nous avons soigneusement sélectionné une gamme de sujets qui reflètent l'ampleur de notre engagement envers le journalisme de qualité. Nous vous invitons à sous-marin dans ces pages riches en informations, à partager vos commentaires et à participer à la conversation. L'Écho quotidien est votre journal, et nous sommes ravis de vous avoir à nos côtés dans cette aventure journalistique. Bonne lecture, et restez curieux. Ballon d'or 2023, Messi annoncé vainqueur, mérité. La cérémonie d'attribution du 67e Ballon d'or de l'histoire se tient ce soir à Paris, et plusieurs sources crédibles annoncent Lionel Messi vainqueur. Le Théâtre Châtelet de Paris en France sera le cadre de la cérémonie d'attribution du 67e Ballon d'or France Football. Pour l'année 2023, trois grands favoris se démarquent. Il s'agit du Norvégien Erling Haaland, du Français Kylian Mbappé et de l'Argentin Lionel Messi. Plusieurs sources crédibles, notamment l'un des plus grands journalistes sportifs au monde Fabrizio Romano, annonce l'Argentin, vainqueur du Ballon d'Or. Une annonce qui fait jaser, car selon plusieurs observateurs, le meneur de jeu de l'Inter Miami ne le mérite pas. L'argument principal évoqué par ceux qui pensent que l'ancien joueur du PSG le mérite est le mondial remporté avec l'Argentine le 18 décembre 2022. Avec à l'appui le trophée de meilleur joueur de la compétition et deuxième meilleur buteur. En club, les stats sont peu reluisantes. L'Argentin a certes remporté la Ligue 1 avec la récompense du meilleur passeur, 16 passes décisives, mais il a été décevant en Ligue des Champions, tout comme le PSG, éliminé dès les huitièmes de finale par le Bayern Munich. Erling Haaland lui a été grandiose. Pour sa première saison avec Manchester City, le Norvégien a remporté la Ligue des Champions, la Coupe d'Angleterre et la Premier League. Terminant au passage meilleur buteur en Ligue des Champions, meilleur buteur en Premier League, meilleur jeune joueur de Premier League, meilleur joueur de premier et joueur UEFA de l'année. Des statistiques impressionnantes pour le gamin de 23 ans. Mais, la Norvège n'a pas participé au Mondial, ce qui soustrait pas mal de points à l'ancien attaquant de Dortmund. Car comme on le sait, les années de Coupe du Monde, le vainqueur du Ballon d'Or doit provenir de l'équipe championne du monde. C'était le cas en 1990 avec l'Allemand Sammer, en 1998 avec Zinedine Zidane, en 2002 avec Ronaldo, en 2006 avec Cannavaro. Cette règle a été modifiée en 2010. Et Messi a été vainqueur du Ballon d'Or cette année malgré un Moldian décevant. Pareil pour Cristiano Ronaldo en 2014, et Luka Modric en 2018. Pour la saison écoulée, cette règle semble avoir refait surface, au seul profit du génie argentin. Alors si Lionel Messi remporte son 8e Ballon d'Or ce soir, ça sera mérité ou pas? Ballon d'Or en direct, le classement dévoilé. Ce lundi soir que sera connue l'identité du Ballon d'Or 2023. Une cérémonie à suivre en direct sur notre site. Messi vers un 8e Ballon d'Or? Qui succédera à Karim Benzema au palmarès du Ballon d'Or? Lauréat en 2022, KB9, passé cet été du Real Madrid à Al-Ittihad en Arabie Saoudite, et hors course pour cette 67e édition d'un trophée qui semble promis à l'un de ses trois favoris, Lionel Messi, Erling Haaland et Kylian Mbappé. Vu leur performance individuelle et collective, difficile d'imaginer un autre podium lors de la cérémonie qui aura lieu ce lundi soir, à Paris. Reste à savoir dans quel ordre finiront l'Argentin, le Norvégien et le Français. Selon plusieurs médias, dont le quotidien catalan Sport et le journaliste Fabrizio Romano, c'est « La Pulga » qui devrait rafler la mise et décrocher ainsi son 8e Ballon d'Or, après ceux remportés en 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 et 2021. Un sacre qu'il doit essentiellement au titre de champion du monde obtenu avec l'Argentine, en décembre dernier au Qatar. Malgré son triplé avec Manchester City, Premier League, FA Cup, Ligue des Champions, Erling Haaland risque donc fort de devoir se contenter d'une place d'honneur, tout comme un Kylian Mbappé qui a terminé finaliste et meilleur buteur de la Coupe du Monde 2022 avec les Bleus, mais aussi champion de France avec le PSG. Un Parisien qui continue cette saison d'empiler les buts avec son club, en témoigne son doublé inscrit dimanche à Brest.
Qui sont les 30 nommés pour le Ballon d'Or? Julian Alvarez, Argentine, Nicolo Barella, Italie, Jude Bellingham, Angleterre, Karim Benzema, France, Yacine Bounou, Maroc, Kevin De Bruyne, Belgique, Ruben Dia, Portugal, Antoine Griezmann, France, Ilkay Gundogan, Allemagne, Josko Gvardiol, Croatie, Erling Haaland, Norvège, Harry Kane, Angleterre, Kim Min-jae, Corée du Sud, Randal Kolo Muani, France, Kvicha Kvaratskhelia, Géorgie, Robert Lewandowski, Pologne, Emiliano Martinez, Argentine, Lautaro Martinez, Argentine. Kylian Mbappé, France, Lionel Messi, Argentine, Luka Modric, Croatie, Jamal Musiala, Allemagne, Martin Odegaard, Norvège, André Onana, Cameroun, Victor Osimhen, Nigeria, Rodri, Espagne, Bukayo Saka, Angleterre, Mohamed Salah, Égypte, Bernardo Silva, Portugal, Vinicius Junior, Brésil. Restez connectés à Cameroun Info pour plus d'informations sur cette nomination et ses implications pour l'avenir de l'ISMP et du Cameroun. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer des actualités importantes du Cameroun. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui.